Assalamu alaikum musibbe am e mi hawti en dan e kadina mi hewri ko mi landi kesi don e jam minion sa di catholique coréen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Voilà, sans plus tarder, on va passer à la présentation. Ici, on a ici le poisson ça, un peu d'aubergine violet. Le poisson ça, ici un peu de sardine, on va mettre un peu de boulette, voilà le persil que je vais mélanger avec le boulette, nos boulettes, voilà. Ici on a patate douce, pommes de terre, mais aussi poivron, tomate, oignon vert, d'accord, l'ail, un peu de poivre et tomate concentrée. Voilà, hande mi defana en soupu bantu arano wondi e honno yirte konkoyji din. Voilà, aujourd'hui on va préparer sauce boulette de poisson avec un peu de poisson ça fumé. Voilà, j'ai fini d'éplisser mes légumes ici. J'ai pilé ici oignon vert, l'ail, piment, un peu piquant, avec quoi encore? Je pense qu'un poivron. C'est ce que j'ai pilé là, ma famille vert. D'accord? En bas, j'ai 500 g d'oignon que j'ai coupé finement et j'ai pilé ça. Voilà, je finis de préparer mes boulettes qui est composée de persil, un peu de poivron, un peu d'oignon. Un peu de cube, un tout petit peu facultatif, mais aussi un cuillère à soupe de la, comment on dit, de la pâte d'arachide. Un tout petit peu de la pâte d'arachide, c'est facultatif, vous pouvez remplacer par la sapulure. Voilà, ici, on va mettre un tout petit peu d'huile végétale, un peu, juste pour frire nos boulettes, mais aussi nos poissons ça fumés, si nous confirmés. Voilà, dans le langage, j'aime aussi ça m'avoir. T'as mon chou d'outil, boum boulette à confirmer. C'est ce que je vais préparer à ma façon, hein. Vraiment. Vous n'êtes qu'à ma façon de m'y toguer. Moi, je vous montre ma façon de le faire. D'accord? Voilà, on va frire les boulettes. Voilà, c'est déjà doré. J'aime bien quand c'est bien doré. C'est juste pour deux petits bols. Ça va nous suffire. Voilà, après avoir fini de frire les boulettes, on va passer par le poisson ça. Bayen gayni bantoujeden ko mi wadiri ko tiga dege onno dobbo tiga seeda kanyum e persil e laj kanyum e nyamako seeda mi hollirali dum parce que mi wadi video jugo kami uni boulette, d'accord, kami uni dum do bantoujego. Voilà, ici, j'ai pris un peu d'huile de palme. J'ai mélangé avec le reste où j'avais frit le poisson. Je ne peux pas jeter ça parce que la saveur est dedans. La parfum du confirmé, là, comme on dit, le poisson ça, là. Je ne peux pas jeter ça, quoi. Parce que c'est là-bas que j'ai frit mes boulettes. Voilà, ici, on va commencer par les oignons. On va laisser bien dorer. Je vais laisser bien dorer les oignons avant de mettre autre sauce. Do mi wadi basal leje den ko libar mi wadi. Do non mi accay ha basal leje den honno de wirte ko dayda wala ko honno, voilà. Ha do de maya afero après non si mi wada tamati bibbe on kanyum e tamati lokoti ou logodia, je ne sais pas. Tamati concentré. Voilà, je mélange ça. Tomate fraîche, mais aussi tomate concentrée. Gis ngène, def na ci sama tomate fraîche, ak sama ki
tomate concentrée. Mom la mélanger non. Après je vais mettre un peu d'eau. Je vais bailler sama oignon bi mu doré bu baax. Man dès le début la koy def. Voilà ici, on va mettre notre nokos, notre mélange d'oignon vert, l'ail, piment, mais aussi poivron vert. Famille vert quoi. On met un peu d'eau et on laisse mijoter à peu près 3 à 5 minutes. Après, je vous reviens. Voilà, vous avez vu, après quelques minutes de cuisson, nous voilà. Voilà. On va mettre maintenant généreusement de l'eau parce que moi j'aime que les oignons soient bien cuits. D'accord? On va laisser cuire là les oignons. On met un peu de kibbe. C'est facultatif. Hein? Chacun a sa façon d'assaisonner sa sauce. Moi personnellement, je mets une parfois ou bien parfois aussi je mets un peu. Ça dépend de mon humeur. Voilà, il y a d'autres aussi qui mettent 1 à 2. Ça dépendra de vous. On sale, salé à votre goût aussi. On met nos légumes. Nos légumes aussi, c'est à vous de voir les légumes que vous aimez, vous les mettez. Je ne mets pas trop, je ne peux pas, je ne charge pas trop puisque c'est rarement qu'on mange des légumes. Là. Parfois, on jette comme ça. Raison pour laquelle j'aimais tout simplement ce qu'on mange. D'accord? J'ai mis gombo, piment, mais aussi sou. Voilà, après quelques minutes de cuisson, vous avez vu, la patate douce est cuite. On va le retirer. À surveiller. Hein? Pour mon bagnata sibir, on va le retirer. Mom ak pomme de terre. Voilà, vous avez vu, l'eau a beaucoup réduit, mais jusqu'à présent, c'est pas du tout concentré. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Moi, j'aime le cuire comme ça, d'accord? On met nos poissons à fumer, mais aussi les boulettes. Je les ai frites, hein? Je les ai bien lavées, nettoyées. Après, je les ai frites à l'huile végétale. Mais nos boulettes, personnellement, j'ai aimé. Hein. Vraiment, c'était très bon. Mais aussi, les feuilles d'oseille, là, je les ai mélangées avec le gombo. C'est facultatif. Vous avez... En fait, nous, en Casamance, la plupart qu'on prépare de la sauce, la plupart, on met ça. L'effet des biscuits avec un peu de gombo frais et on cuit ça puis on mélange, ça donne aussi autre sauce. Voilà les amis, gis ngène diwtir bi bax na ni, mais bougué si tu veux mun nga yok sa diwtir, mais moi personnellement c'est bon comme ça. Voilà les amis, c'est ce qui met fin de la vidéo du jour. J'espère que ça va vous aider et que ça va vous plaire. Sur ce, je vous dis à très vite. Surtout, abonnez-vous et likez les vidéos pour nous encourager. À la prochaine.